Sur les 13 dernières éditions, la route Tourangelle ne s'est terminée qu'une seule fois au sprint. Imprévisible et séduisante, voilà pourquoi cette course a gravi les échelons un à un, jusqu'à devenir une des références de la région avec le célèbre Paris-Tours. La route Tourangelle, c'est un parcours ambitieux de 199 km qui s'élancera pour la première fois de Château-Renaud. C'est pour un baroudeur, un homme complet, un puncher. C'est le type de coureur, le profil qu'il doit avoir pour gagner la route Tourangelle. Déjà implantée dans le circuit professionnel depuis 3 ans, la course Tourangelle passe à la vitesse supérieure en intégrant cette année le calendrier de la Coupe de France. 9e étape d'une épreuve qui en compte 15, la route Tourangelle, c'est l'assurance d'avoir quelques belles têtes d'affiche, comme Pierrick Fédrigo, actuel leader sous le maillot Bretagne séchée. Parmi les autres coureurs attendus, il y aura Brian Coquart, Romain Feillu ou encore les locaux Jonathan Hiver et Jérémy Roy. Et pour les observer, les spectateurs n'auront que l'embarras du choix. C'est qu'on va avoir quelques montées nouvelles, dont une montée symbolique. Elle porte le nom de la montée jaune sur Savonnières, donc elle était incontournable dans le final. La montée jaune, celle des Carnot et enfin celle de Lépan. Un final dense où rien ne sera joué d'avance. Concernant l'arrivée, pas de changement. Un circuit de 3,5 km et une ligne tracée boulevard Jean Royer à Tours.